Depuis 100 ans, le savoir-faire de Valrhona se transmet de cuisine en cuisine. Boulanger, pâtissier, chocolatier et jusqu'au plus grand chef étoilé, les artisans du monde entier se perfectionnent aux côtés de la maison. Partagez sa passion. Il y a 32 ans, à l'initiative d'Antoine Daudet, le chef Frédéric Beau ouvrait les portes de l'école Valrhona, qui compte aujourd'hui 3 autres campus. Paris, Brooklyn, Tokyo. De véritables laboratoires d'expérimentation créative, orchestré par plus de 35 chefs et experts du chocolat, où interviennent de grands noms. Claire Hetzler, Sébastien Vauxion, Pierre Hermé et bien d'autres. En 2021, plus de 15 000 professionnels s'y sont formés. Faire émerger les talents. En 1989, la maison s'associe au pâtissier glacier Gabriel Paillasson, double meilleur ouvrier de France, pour créer la Coupe du Monde de la pâtisserie. Le succès est instantané et attire des participants venus des 5 continents. En 2005, un certain Christophe Michalak remporte le premier prix. 30 ans plus tard, Valrhona lance Passion Dessert, en partenariat avec le Guide Michelin. L'objectif, faire rayonner le métier de chef pâtissier. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour faire naître des vocations, la maison s'associe à de prestigieuses écoles, comme l'Institut Paul Bocuse ou l'École Ferrandi, pour former les futures générations. Depuis 2019, avec Graines de pâtissier, Valrhona va encore plus loin. Elle aide les jeunes à trouver leur voie, en les mettant en relation avec des professionnels pour leur apprendre le métier. En 2021, 92 graines de pâtissier ont été accompagnées et 38% sont entrées en CAP. En 2022, ce programme se déploie dans 12 nouvelles villes de France. Transmettre, partout, toujours. Au fil d'ateliers avec ses pairs, le chef Frédéric Beau compile ses astuces et ses savoirs. En 1995 naissent les Essentiels de Valrhona, des fiches pratiques aujourd'hui 100% digitalisées, pensées comme les pièces d'un puzzle et avec lesquelles chacun peut composer ses recettes et en inventer de nouvelles. Une référence dans le monde de la pâtisserie. Aujourd'hui, demain et pour les 100 prochaines années, Valrhona soutiendra l'artisanat.